merci à l'intime de la présidente. C'est vital, les musiciens, et accompagner ces vidéos. Merci pour nous-mêmes, et aussi à nous autres, d'avoir chanté la voix de Dieu sans réserve. Bénis-nous, mon Dieu, pour ça. Ce matin, nous avons pour sujet d'où vient l'intelligence ou bien la sagesse. De qui est-ce la sagesse venue ou intelligence? Encore une fois, c'est nous remercions pour Pasteur Olgui qui est prié pour nous. Je vous remercie de passer dans moi-même, passer dans le peuple pour que vous et faire un travail avec les questions qui va sortir dans le texte. Aidez-nous à comprendre la parole et à marcher fidèlement pour nous capables de proclamer l'évangile de paix et de grâce de vous-même pour vous. Le travail que vous confiez nous, Seigneur, va nous sagesse, va nous intelligence pour nous faire sans contrainte. Au nom de Jésus. Amen. La pauvre vie de ensemble avec moi dans Proverbe, chapitre 1er. La question est posée. Côté sagesse sortie. Côté intelligence sortie pour le travail dans nos humains péchés que nous sommes. Autant que nous y est, malin que nous y est, vice qui a traversé la vie, nous a imposé nous pour nous capables sages, pour nous capables intelligents. Mais bon Dieu, dans la grâce, dans la miséricorde, dans la compassion, nous nous fera, pour faire nous grâce, et bien notre bon Saint-Esprit pour nous aider. En parmi toutes vertus que nous venons lire ça, il continue avec nous pour nous capables de suivre la sagesse. Oui, Joseph. 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 La moi de toute jeune avec Joseph derrière, s'il vous plaît. Toute jeune, toute simone. Si vous êtes jeune, vous baguez. Mais il n'y a pas de petit monde, pas pour aller derrière. J'ai mis ça. Vous êtes petit monde, aller derrière pour que papa prenne. Snaïcha. Vous baguez. À moins que vous compreniez que vous êtes bien. Vous comprenez quelques mots français. Vous comprenez très bien, vous comprenez quelques mots français. Amen. Vous comprenez. Et ce matin, on annonce des bails. Nous bails à tout le monde qui a performé, qui a dirigé un service qu'elle porte en moi. Fais-moi ça et le mois de novembre déroulant. Sous pas capable, s'il vous plaît. Fem konen, mais sous pas plan nan date ou MDTA, relons l'autre pour nous connaître comme dirigeant que pour vous pour même. On ajoute au monde matin, c'est-à-dire un programme, c'est CR Suzanne. Tennis. Ok? À part la presse, c'est Suzanne. On dit le monde. On s'agit de ta mauvaise. C'est souvent, souvent, le mauvais mot de ce monsieur. Contre un contre comme ça, c'est Suzanne. Amen. Bénis nos bon Dieu. Et si toutefois, il y a le programme là, si tu as checké des déjeuners, il y a 5 boutiques de l'Ebane de l'Ebane. Oui, poursuivons avec notre message. Revenons à nos moutons. D'où vient la sagesse et l'intelligence? On a une idée de Dieu. Mais par contre,
sous besoin de sagesse, intelligence, mon Dieu, faudrait que vous mettez dans le plan de Dieu. Faudrait que vous fassiez amis avec mon Dieu. Faudrait que vous marchiez dans l'ordre, la discipline. Et ces mois-ci, nous avons parlé de leadership chrétien, instruction pour les chrétiens. Maman, je vous pose une question. Vous même vivez 10 ans dans l'évangile, vous même vivez 5 ans, vous même vivez 20 ans, est-ce que vous avez vraiment vrai bon changement dans la vie? Est-ce que vous marchez de progrès en progrès? Est-ce que vous sentez que vous faites un travail qui est acceptable par Dieu? Est-ce que vous sentez que vous marchez à la connaissance de la parole de Dieu vraiment? Lorsque vous voyez tout le monde dans l'école, vous tiens pour tout le monde apprendre quelque chose. Et puis pour venir quelque chose demain. Lorsque l'église, c'est l'école où vient tout. Ou même, il y a un monde blanche, cheveux blanches, peut-être calé, whatever. Vous venez l'école pour apprendre. Mais pendant que l'église, qui sont apprendre depuis 5 ans, depuis 2 ans, depuis 3 mois, depuis 4 mois, est-ce que vous apprenez qui choisit pour changer la vie? Qui contribution portée dans le travail CR? Réviser la vie. Réviser. Chaque 1er janvier, 31 décembre, vous faites résolution ou pas résolution pour servir bon Dieu pour changer. Et depuis 2 janvier, pareil, oubliez toute bagarre authentique. Une résolution pour le prendre aujourd'hui après le message, ça fait prêcher. La question même posée. Qui bon intelligence sorti, qui bon sagesse à sortir. Est-ce que vous sentez son monde qui est intelligent, un monde qui est sage? Est-ce que vous sentez ça dans vous-même? Le monde qui est intelligent, c'est un monde qui a marché suivant la parole de Dieu. Suivant les instructions, de Dieu. Ou non? Est-ce que vous sentez vraiment qu'on a marché suivant les instructions de Dieu, suivant la parole de Dieu? Ce matin, en classe, avec la jeunesse, demandez qui est-ce qui prie matin avant de venir à l'église? Personne. Non, c'est maintenant qu'on seul finalement qui dit oui. Sur le vide là, on seul qui dit oui, qui prie dans ce maintenant. Et c'est une relation vraiment qui existe entre mon salut, jeune salut avec mon Dieu. C'est une relation vraiment. Pour qu'on gagne l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, il faudrait que vous incrédiez dans la parole. Il faudrait que soit homme de prière, femme de prière, communiquer avec maître, avec papa. C'est lui-même qui va avoir sagesse, qui va avoir intelligence. Attendez. C'est un objectif, le livre l'avait dit. Verset 1er, du livre des Proverbes. On dit, Salomon était le fils de David, Pavel, le roi d'Israël. Verset 2 dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple discernement, aux jeunes hommes de la connaissance, de la réflexion, et les sages écoutent et il augmente son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens des proverbes et des lignes. Les paroles des sages et des sentences. Verset 6, son verset que nous tous nous connaissons. Le commencement de la sagesse
La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Combien de monde a dit crainte pour parole bon Dieu? Combien de monde a dit crainte pour bon Dieu? Est-ce que vous crainte pour bon Dieu? Est-ce que vous êtes capable de prouver qu'il y a crainte pour bon Dieu? Qui sont prêts pour bon Dieu pour pouvoir ouvrir les crêtes pour lui-même? Est-ce que vous acceptez la parole? Est-ce que vous écoutez la parole? Est-ce que vous allez dans la parole? Est-ce que vous avez parole en premier pour la première place? Est-ce que vous avez parole en première place? L'écoutez la parole là. Est-ce que vous mettez dans l'application vraiment? Vous devez espérer un moment opportun pour mettre dans l'application. Parmi les vertus dans ces livres figurent la poursuite de la sagesse, la piété filiale, la libéralité, la fidélité conjugale et aussi l'honnêteté dans les affaires humaines. Et ensuite, il y a une liste vicieux. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes fidèle à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes fidèle à l'Éternel? Réclamez pour que la sagesse de Dieu soit fidèle. Pour être honnête. Pour que l'intelligence de Dieu, pour que vous soyez un qui sage. L'humain, il y a un problème. Quel problème humain? Nous parlons de la liste des vices qui existaient dans l'homme et qui est condamné par Dieu lorsque ne peut pas marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. Il dit où? La gloutonnerie, la bruerie, l'immoralité, le mensonge, la paresse, les querelles, la fréquentation des mauvaises compagnies. Tout ça, c'est un barrage pour nous, c'est une barrière qui est imposée pour marcher sagement, qui est imposée pour la connaissance de Dieu. Qui sont capables de faire pour enlever ces embarras, ces chaînes que Satan le dit à mettre dans la vie? La paresse numéro 1, l'égoïsme numéro 2, l'envie numéro 3, la rébellion pour mettre les causes moi-même avec vous. Et chasser loin de Dieu, être rebelle, pas marcher dans l'obéissance. Je dis, mais qui pour y est-ce que ça a fait effet dans la vie? Est-ce que vous contrôlez la vie? Est-ce que vous avez un message? Vous avez une intelligence de Dieu. Pour gagner l'intelligence de Dieu, il faut bien que vous soyez monde qui reste dans la prière. Bien d'autres que la prière, marcher avec mon Dieu, pas à pas. Arrêtez loin, mon Dieu. Quittez mon Dieu, prie dans la vie. Quittez mon Dieu, mon Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et tout mois a commencé, mois passé, bien 6 prédicateurs qui passaient là, tout a parlé d'instruction. Combien de monde qui étaient intéressés à l'instruction? Combien de nous-mêmes qui étaient intéressés, qui viennent, qui prennent l'instruction? Pour connaître comment on est capable de bien marcher dans la société. Pour connaître comment on est capable de marcher avec vie chrétienne. Les leaders, est-ce qu'ils deviennent prêts à l'instruction? Est-ce qu'ils deviennent l'autre? Pour connaître comment on est capable de marcher bien dans la crainte de Dieu.
il dit nous mépriser. Et si vous te méprisez ça, vous serez insensé. Car Dieu a fait pour vous des grandes choses. Vous ne pouvez même espérer que vous vivez dans la vie. Donc, méprisez ainsi sur la parole de Dieu. Ça va rendre nous misérables. On va être dans la conscience. Parce que l'instruction de Dieu t'a déversé dans la salle là. Qui partit de la vie, sauf faire avec. Ou même qui était présent. Et c'est l'une des raisons qui permet de tout à, reste année à net. Pour ne pas le parler. L'éducation chrétienne. Leadership chrétienne. Chrétien. Qui sauve les apprendre? Qui sauve les frères? C'est dimanche matin seulement qui est intéressé dans la parole de Dieu. La semaine au vague. Grand monde fait, jeune fait le pire. Ce matin, tu es sondé, jeune. C'est dimanche matin seulement qu'on est bon vie existé. Les autres jours, le vague. Qui protection a besoin dans mes bon Dieu pour mettre la protection dans le danger, dans le malheur. Si! Seulement pour être dans la présence. Si seulement marcher avec, si seulement pour te voir, pour te laisser cet esprit de Dieu conduire, pour une relation serrée avec lui, c'est le seul moyen pour être capable de joindre les protections divines de Dieu. Seul moyen. Pour rejeter lui, la projeter autour. Pour mépriser, la mépriser autour. Pour vague, la vague autour. Sois intelligent. Tous les sagesse mon Dieu vraiment. Faux amis avec nous. Marchez avec nous, marchez sur le conseil. Le verset dit, écoutez mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Instruction ça au bon Dieu. Inspirez. Jeune homme ça pour te mettre pour nous-mêmes. Pour nous garder, pour nous suivre, pour nous marcher selon l'autre principe et discipline bon Dieu. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Et une parure pour ton cou. Le verset 10 dit, mon fils, si des péchés veulent te séduire, ne les laisse pas gagner. Pas digne ou pas des méchants, pas des conseillers méchants qui blessent Dieu chaque jour dans vie. Rêve à faire, parole zami à porter baou. Des frères et tel, des sœurs et tel, pas coûter conseil. Arrêtez plaisir, marcher avec dans la compagnie de l'Éternel. Dans chapitre 17, le verset 6, c'est le même livre, c'est une autre chose. Proverbe 17, verset 6. Les enfants sont la couronne des vieux. Les pères sont la gloire de les enfants. Qui sortit de vous, Timon Moulo? Petit ou qui sortit de vous-même? Est-ce qu'on va montrer au chemin pour marcher droit devant l'Éternel ou devant Dieu? Est-ce qu'on va instruire suivant la parole de Dieu? On va encourager suivant la parole de Dieu? En disant bagaille. On va croiser en pile mon âme. Chaque mercredi soir, 7h ou 8h, fais étude avec jeunes. Les membres de l'église, côté jeunes, seulement pas, mais tu commences à dire, seulement pas, mais tu es. Pas au val! Ne pas intéresser les jeunes à monter sur lui. Et pas au val, peut-être pas, parce que 8h pour 9h, pas monter sur lui, tout pour instruction. Pour étudier la parole de Dieu. Comment faire des sagesse, mon Dieu? Comment faire des intelligences, mon Dieu?
li impossible. Impossible. Nous, la crainte de Dieu, les commencements de la. Vous n'avez pas crainte pour mon Dieu, est-ce qu'on est sage? Est-ce qu'on est intelligent? Pour évacuer, pour courir loin, Satan, il a vu soumettre. La plante, parce que parle parole de Dieu a fait de la vie. Instruction, parole de Dieu, parle. Par contre, les pères doivent écouter et mettre en pratique Proverbe 26, verset 19. Et préférence Proverbe 19, verset 26. Si le curé de son père et qu'il met en fuite sa mère, c'est un fils qui fait honte et fait rougir. Si vous obéissant, respectable, vous avez parvenu à mes bons dieux. Pas désobéir maman, pas désobéir papa, pas désobéir pasteur, leader dans l'église, pas désobéir. Mais écoutez-vous, vous parlez tant et mettez en pratique. Et aussi, au verset 23, le verset 25. Et ton père et ta mère se réjouissent de celle qui t'a enfanté, chère de l'allégresse. Où est-ce dans l'allégresse? Où maman a papa qui est content? Et si soit marché, va que va, de la désobéissance, dans l'impudicité, fait mal dehors. Est-ce que bon Dieu est content avec vous? Bon Dieu n'est pas content. Et si bon Dieu n'est pas content, maman, papa, ou pas content avec vous, non plus, vous, non chrétien. Ou pas jouer une approbation dans mes bon Dieu, ni dans mes mamans, ni dans mes papas. Et ton père et ta mère se réjouissent. Et celle qui t'a enfanté soit dans la l'allégresse. Psaume 103, le verset 13. Psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel n'a pas compassion pour ceux qui les créent. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Comme un père a compassion pour ses enfants, l'Éternel a aussi compassion pour les gens qui ont crainte pour lui. Est-ce qu'on a crainte pour bon Dieu? Est-ce qu'on marche dans la crainte bon Dieu? Dieu la crainte de l'Éternel est le commencement de la. Est-ce qu'on est sage matin? Compassion pour vous. Ici, qui savez-vous? Compassion pour vous-même. Et ou même l'or élevé l'Éternel, ou machine à principe, ou machine à l'or, ou machine à discipline. La compassion de Dieu va multiplier dans la vie. L'Éternel, Dieu, ou bien respect pour l'Éternel. Respect bien pour l'Éternel, ou bien pour bien pour maison, pour toi, fille, foyer, travail. Est-ce que bien compassion pour les autres aussi? Respect. Pour bon travail, respect pour co-opéreur. Si vous avez crainte pour mon Dieu, vous avez respect pour co-opéreur. Voisine, voisine, même forceur, madame, est-ce que vous avez respect pour vous-même? Étant chrétien, comment vivre? Vous songez première question? Sujet à lundi? Laissez songer. D'où vient la sagesse? Et l'intelligence. Sous son monde qui est intelligent, vous devez marcher avec bon Dieu côte à côte. Vous écoutez le Saint-Esprit que bon Dieu va vous.
pas de marcher pas de prier en homme de prier en femme de prier. Vous avez besoin de prier pour faire mon roi à prier. Un grand esprit de prière. La communication entre vous-même avec papa. Communication. Prends du temps. Fais le prime dans la vie. Pour te conseiller bon cet esprit, il l'a dirigé dans le bon pas. Le peuple a donné tout bon. Écoutez cet esprit, mon Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons une maladie. Maladie, elle est curable. Elle n'est pas incurable. Nous avons une maladie dans nous-mêmes. Elle est la paresse. Curable. Si vous voulez, vous capable de guérir de cette maladie. Si vous voulez. Mon Dieu est disponible pour vous-même. Mettez-le disponible pour vous-même à n'importe qui. C'est up to you. Vous connaissez le problème ou bien. Qui fait que vous ne pouvez pas servir mon Dieu bien. Vous ne pouvez pas marcher dans l'ordre de discipline. C'est up to you. Pour Dieu prêt pour l'aider. Pour dire que vous avez volonté. Sa main est largement ouverte pour recevoir. Il veut vivre. Qui sort? Vous même bien 30 ans dans l'évangile. Révisez la vie. Checkez la vie en ce moment même. Où est-ce qu'il progrès? Qui traverse ce qui fait dans la vie et vous acceptez Christ. Est-ce que vous avez toujours marché à tâtons? Comment marcher? Aussi pour ça. Bon Dieu parle aussi pour ça. On peut en dans vidéo, bon Dieu parle ça. Pour tiède, bon Dieu parle ça. Et puis c'est la vie. Femmes, mesdames, adultes, anciens, révisez la vie. Consulter, analyser où est-ce vraiment vrai le changement. Pas demander si il y a un changement dans la vie. Individuellement, chacun de nous-mêmes. Consulter la vie. Qui résolution à prendre sur elle par vous? Si ouais, vous avez perdu du temps dans l'évangile. Tu as perdu du temps dans l'église dimanche. Ou pas apprendre rien, ou pas apprendre rien. Ou pas changer. Ou pas venir sage. Ou pas intelligent. Posez tes questions. Et ma bonne réponse en premier. C'est parce que tu ne peux pas marcher droit avec le Seigneur. C'est parce que tu es fou à tête. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas habité dans la vie. Rien de que ça. Mon Dieu Réméon, vous répétez Jésus-Christ sur la terre pour une grande péché. Vous pleurez sur le bois du calvaire. C'est à cause de son grand amour. Il demande de vous faire une chose pour lui-même. Il sert à vous fidèle. Il demande de vous faire. Il demande de grand sacrifice. Prends du temps pour lui-même. Servez pieusement. Écoutez-nous. Deux versets ne décapent pas avec nous. Si nous allons dans Somme 92, qui parle nous de la souveraineté de Dieu. Et tu es au nom 29-29. C'est pas venu louer l'Éternel seulement. Il est beau de louer l'Éternel, certes. Mais il n'est pas seulement ça demandé. Il demande le cœur aussi. Et les corps toi, les corps propres, pour louer, il va recevoir l'orange en amour. C'est nous la chrétienne. Amen.
Si tu n'es pas propre, si tu n'es pas droit, il n'y a pas besoin de rejoindre. Approchez-vous. Il est beau de louer l'Éternel vraiment. Et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Il est bon pour nous faire ça, mais il faut que nous voient. Il faut que nous sincères. Pour ne pas répéter les conseils. Que bon Dieu me délivre pour nous marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Nous va ouais. Comment nous va venir des hommes intelligents vraiment? Nous va avoir la sagesse de Dieu qui a traversé la vie. Nous. Tout ça nous va manger, il va réussir. Ce matin, maintenant, de vous laisser tout. On va demander pour parler avec bon Dieu. Je parle maintenant, Père, ferme les yeux, laissez tout. Parlez avec mon Dieu. Je vais reconnaître si il y a un changement qui est fait. Si il y a un changement qui est fait, ce n'est pas à moi-même pour le savoir. Mais l'Éternel, comment ta vie, comment vivre? Est-ce qu'on va marcher droitement dans la droiture? Est-ce qu'on va marcher dans la crainte de Dieu? Posez cette question. Ferme les yeux. Regardez par-ci, par la ferme les yeux. Révisez la vie en ce moment. Soyez des hommes sages, des femmes sages, remplis d'intelligence. Posez question. Posez question. Ça fait cause au vivre. Ça fait cause au marché. En fait, c'est. Quel problème qui existe? Le travail pas bon temps pour prier, c'est dimanche matin seulement qu'on prie, et bien la prier là matin. La prier. Après prier la caille. Dans la machine. À travers les rues. Pendant vos obligations journalières. Parlez avec bon Dieu dans le cœur. Demandez bon Dieu, pardon. Demandez bon Dieu pour toucher le cœur. Toucher l'esprit, pour bonne intelligence, sagesse, car former crainte pour lui-même. Dieu trois fois ça nous remercie ce matin. Nous besoin d'intelligence, Seigneur Dieu. Nous besoin de crainte pour traverser dans nous-mêmes, Seigneur Dieu. Changer la vie, nous, Seigneur Dieu. Autrefois, nous avons marché mal. Nous avons marché de vos vies de sens, Seigneur. Mais en ce moment, nous voulons plus et plus de vous. La vie nous capable de changer. La vie nous capable de droite. La vie nous capable de marcher à la lumière de ta parole. Oui. Mais respecte tes paroles, nous étant des enfants. Tu es notre Père Céleste. Notre Dieu, notre roi. Le lion de Juda. C'est vous-même, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur. Aidez-nous à comprendre volonté. Aidez-nous à marcher dans le printemps. Aidez-nous à être respectueux, Seigneur Dieu, suivant ta parole. À quitter, Seigneur Dieu, nos enfants, à marcher à la dérive de eux-mêmes. Et faire obéissance, Seigneur Dieu. Et pour qu'ils soient capables d'obéir, il faudrait que nous-mêmes, personnellement, nous obéissions la parole, Seigneur Dieu. Ouvrez les yeux spirituels. Pour nous comprendre que nous sommes à la fin du temps. Pas gagner l'air encore qui est essayé. Bébé, mais non. Pour ne pas arrêter derrière. Parler avec nous, l'esprit, nos pensées, nos mains. Pour ne pas marcher. Selon les conseils du diable. Pour marcher selon le conseil corps. Pour nous assister à Dieu. Pour mettre dans bon nous assez. Pour nous manger. Pour nous laisser. Par nous breuvage excellent, Seigneur Dieu, capable de nourrir l'esprit, non. Par nous, bah nous pour nourrir, pour physique, non. Et spirituellement parlant, par nous, Seigneur Dieu, ta parole, qui est la lumière.
Ta lumière jaillit dans notre vie. Il fait changement dans la vie. Non, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le temps, pour l'éternité. On a toute tête baissée, tout Dieu ferme. Toute tête baissée, tout Dieu ferme. Personne ne peut regarder. Et ma régressée est seulement qu'à regarder. Est-ce que vous sentez le message fait sens dans la vie? Vous avez marché mal. Vous avez marché droit devant mon Dieu. Vous avez obéi à la parole. Et à partir de ce message, je vous dis, on fait prier, on prend détermination ça. Pour résolution ça. Vous pouvez marcher droit. Vous pouvez faire le mieux que possible pour être capable pour marcher dans la crainte de mon Dieu. Pour avoir une sagesse, mon Dieu. Pour avoir une intelligence, mon Dieu. Levez-moi. C'est bon. Amen. Praise God. Amen. Merci Dieu trois fois. Merci pour ta parole, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur Jésus. Aidez-nous. Nous mettons debout, petit. Gloire à toi, Père. Gloire à ton nom. Nous disons merci, Seigneur, de vos paroles. Nous disons merci pour que ça, Seigneur, de vous ouvrir la parole. Nous disons merci, Seigneur Jésus, pour cette résolution, le changement de vie que tu as mené, pour mener en vie, pour aider le monde. Nous disons merci, Seigneur Dieu. Non, passez nous bon. Non, pas à ce que nous faisons ce qui doit, mais à ce que nous ne pas bon, nous faisons grâce. Nous faisons ça dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu, de sa grâce infinie, sa miséricorde, bénis chacun de nous-mêmes. Que nous sommes capables de marcher dans la crainte. Que nous sommes capables de vivre une sagesse. Qu'avec une bénédiction, lui-même réservée pour nous. Non seulement pour vous dire, mais pour tout l'éternité. À la paix que Dieu nous dit. Laisse la main, mais on obéit à la parole de mon Dieu. Je suis un bon message excellent. Et cette étape pour nous conduire à la sagesse de Dieu. Et tout l'après-midi, c'est l'après-midi, c'est cette étape pour conduire nous. À parole de Dieu. Et nous avons demandé. N'oubliez pas, dernier dimanche de ce mois, la réunion des membres. Dernier dimanche de mois. Thank you.